Dans des bonnes conditions. Félicitations à tous les bacheliers. Je vois que beaucoup de ceux qui me suivent sont
des élèves qui ont passé le bac et qui disent qu'ils ont obtenu le bac. Félicitations, mais le plus difficile reste l'entrée dans des grandes écoles, des écoles qui vont former des cadres compétents demain, parce que dans notre pays, le Gabon, on n'a pas toutes les structures, l'argent est dilapidé pour des primes. Conséquence, on est obligé donc d'envoyer désormais les étudiants au Rwanda, pays qui sort de la guerre civile, mais qui apparaît aujourd'hui comme l'Eldorado pour beaucoup d'Africains, notamment les étudiants gabonais. Gabonais, capitalisez votre souffrance. Vous voyez que je suis peu bavard ces derniers temps, parce que j'ai appris aussi à me taire pour que mon langage soit juste. J'ai appris à observer aussi, parce que le proverbial garçon né et élevé à la campagne que je suis, sait décrypter les signaux de la nature. Et la nature nous envoie beaucoup de signaux ces derniers temps, des signaux qui, ma foi, mettent en exergue des chambardements en perspective. C'est pourquoi je vais vous demander, chers Gabonais, de capitaliser votre souffrance. De ne pas croiser les bras et dire toujours non, Dieu va faire tout à votre place. Non. Dieu nous a dotés d'une intelligence, nous a dotés de certaines capacités à changer le cours des choses. Malheureusement, je constate, et là mon jugement n'est pas une sentence, je constate malheureusement qu'au Gabon, on attend tout de Dieu. On attend tout de Dieu. Bientôt, il y aura des gens qui viendront dire, même pour enceinter leur femme, ils vont dire qu'il faut que Dieu vienne, il faut que Jésus revienne enceinter ma femme. Parce que on verse dans la facilité. Je vous avais prévenu plusieurs fois déjà, que demain sera difficile. Je vous avais dit, demain sera difficile. Je vous avais dit, au Gabon, il y aura la galère comme à Haïti, comme à Madagascar, comme en Sierra Leone. Vous savez que Sierra Leone, c'est l'un des pays les plus pauvres. Il n'y a pas de... Et la similitude entre le Gabon et Sierra Leone, c'est que leur deux capitales s'appellent Libreville. Là-bas, c'est Freetown, la capitale. Freetown, quand vous traduisez en français, c'est Libreville. Donc, on a beaucoup de similitudes. À la différence que nous, on n'a pas connu la guerre. Mais là aussi, on n'est pas à l'abri de la guerre parce que toutes les conditions sont réunies par la junte au pouvoir pour attiser les rancœurs et amener les gens à un conflit fratricide. Je touche du bois parce que j'aime ce Gabon. Je voudrais éviter que tout bascule, même si chaque jour Ali Bongo et ses amis construisent brique par brique un Gabon des rancœurs. Nous devons tout faire pour ne pas en arriver là, parce que les guerres, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment les arrêter. Donc, nous devons capitaliser notre souffrance. Déjà en reconnaissant que chaque citoyen mérite le minimum. Je vous dis souvent ce proverbe-là, le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Ça signifie quoi? Si Ali Bongo mange du poulet, vous aussi vous avez droit à manger du poulet. Surtout que vous êtes né dans un pays qui est riche. Le Gabon a tout pour nourrir tous ses enfants. Souvenez-vous, il y a 20 ans en arrière, le Gabon était l'Eldorado. Tous les pays africains là nous enviaient. Tous venaient au Gabon et beaucoup ont décollé du Gabon. Beaucoup sont devenus multimilliardaires à partir du Gabon. Parce qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Maintenant, vous devez vous dire une chose, que vous aussi, vous n'êtes pas né pour accompagner les gens. Mais vous devez vous donner les moyens de votre ambition, de vos ambitions. Il n'est pas interdit d'être ambitieux, mais il est interdit de tricher pour obtenir certaines, pour accéder
au sommet de nos espérances. Par exemple, les gens qui tuent. J'ai vu ce fait divers qui s'est passé à Alena Kiri. Pour votre gouverne, Alena Kiri, c'est mon quartier. Tous ceux qui savent, ceux qui m'ont vu au Gabon, c'est vrai que je n'étais pas trop. Je n'étais pas au devant de la scène tous les jours. Mais le dernier quartier que j'ai habité, c'est Alena Kiri. Et le drame qui s'est passé là, c'est juste à côté de là où j'habitais. Derrière l'OCS d'Alena Kiri. Parce que tous les soirs, j'aimais être derrière l'OCS là pour contempler le coucher du soleil avec cette vue sur le littoral et tout. Sur la côte, c'était formidable. Donc, moi, j'ai vu ces drames-là. J'ai vu beaucoup de raisons qu'on essaye d'avancer en disant non, le monsieur aurait découvert que les enfants, les deux enfants, ne sont pas ses enfants. Je ne crois même pas à ça. Hein, moi, cette version, en tant que journaliste d'investigation, j'ai la balaye d'un revers de la main. Pourquoi avoir assassiné la femme et les deux enfants? Était-il vraiment seul? Est-ce que, et il dit que les traces de violence qu'on a vues ou des mutilations, c'était pour simuler un crime rituel. Mais les parties sont où? Il faut qu'ils sortent ça. Les fameuses parties sont où? Donc, mais quand vous voyez, quand vous réfléchissez un peu, quelque part, notre société a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Nous avons une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Parce que notre société est en train de construire des monstres. Et la responsabilité est d'abord individuelle. La responsabilité est d'abord individuelle. Comment vous pouvez vous mettre avec quelqu'un qui ne vous présente pas de garantie de sécurité? Je ne pense pas que ce jeune homme est subito devenu monstre. Il y avait forcément des signaux qu'il envoyait. Soit il était trop ambitieux. On lui a dit qu'il faut sacrifier la femme, il faut prendre ceci, il faut violer. Il faut... Et en ce moment-là, il a triché avec la morale. Et comme il ne peut pas trouver des victimes ailleurs, et forcément, il a vu la femme et les enfants. Et c'est là où je dis qu'il ne faut pas tricher avec la morale. Si vous voulez être un grand athlète, mais exercez-vous. Exercez-vous au quotidien. Faites du sport. Faites la course de fond. Mais vous n'allez pas dire que vous êtes assis chez vous, vous ne faites rien, et puis il y aura un championnat d'athlétisme, vous allez dire que vous allez devenir un grand athlète. Mais non, ce n'est pas possible. Vous voulez un pays qui vous donne tout, et vous restez assis, vous ne dites rien. Même sur Facebook, vous êtes incapable de dénoncer ce que fait le gouvernement d'Ali Bongo. Mais vous allez avoir quoi? Mais si vous taisez, c'est que tout va bien. C'est pourquoi je dis, il faut capitaliser. Il faut capitaliser la souffrance. La souffrance va nous amener à réfléchir pour changer les choses. Pour dire, ben, moi, je ne suis pas né pour accompagner les autres. Pourquoi il n'y a que des bongos pour réussir et moi, je dois galérer? Vous dites ça. Dites, mais pourquoi seulement moi qu'on appelle, à chaque fois qu'il y a des élections, c'est moi qu'on appelle pour aller coller les affiches sur le mur et puis on me donne un petit billet de 2000 francs. Et puis, non, vous dites non. Vous commencez par avoir une prise de conscience personnelle en disant, je ne veux plus accepter ce rôle de lampiste. C'est vrai. Mais là, il faut capitaliser en disant, je souffre, je dois sortir de cette souffrance-là. Aujourd'hui, on galère avec ce qu'Ali Bongo et les autres nous font subir. Mais c'est parce qu'on accepte ça. Regardez ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Et pourtant, Macky Sall a investi par rapport à Ali Bongo. Macky Sall a quand même investi au Sénégal par rapport à Ali Bongo. Mais il est en train de faire du sale. Et comme il fait du sale, il va être chassé. Parce qu'il veut passer au tripatouillage de la Constitution pour briguer un troisième mandat, qui est un mandat de trop. Mais les Sénégalais ne sont pas aussi amorphes que les Gabonais. Et vous voyez qu'ils sont debout là-bas. Ils sont en train de capitaliser. Cette dictature émergente, c'est aussi une forme de dictature. Donc, nous devons, nous, à notre niveau, dire que je ne mérite pas ça. Je ne suis pas né pour être esclave de quelqu'un.
Mais l'esclavage, c'est terminé, c'est aboli. Il y a encore quelques esprits attardés qui pensent que l'esclavage peut être remis au goût du jour. Mais non, c'est terminé ça. Même nos frères, nos parents qu'on a déportés, je parle sous le contrôle de mon frère Roger qui est connecté depuis la Martinique, mon ami Roger, et c'est que là-bas les gens sont libres. Les gens sont libres. On n'envoie pas des gens pour aller les châtier comme ça se passe aujourd'hui en Afrique. Donc, mais c'est nous qui sommes responsables de ça. Parce qu'on laisse. Je reviens encore s'agissant des filles. Vous êtes une jeune fille. Vous savez que vous pouvez réussir. Mais vous anticipez pour aller être au foyer parce qu'il faut qu'on dise que femme au foyer. Mais vous allez avec un monstre. Vous allez avec un monstre qui va vous tuer. Ne prenez pas le raccourci, capitalisez votre souffrance. Vous dites, je souffre. Bon, il y a une voisine togolaise, elle a réussi. Il y a une voisine béninoise, elle a réussi. Il y a une sénégalaise. Pourquoi moi, je ne peux pas réussir? Et quand vous ne savez pas, vous vous rapprochez de la voisine. Comment la voisine a fait? Parce que l'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. L'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Mais tu te rapproches. L'autre va te dire ce qu'il a fait. Ce qu'elle a fait pour accéder là. À son statut. Mais quand vous restez seulement à critiquer, oh non, oh ils ont les fétiches, oh ils ont ceci, ou bien tu prends le raccourci, tu vas t'installer chez un homme et tu ne sais pas les ambitions de cet homme-là. On va lui demander les organes humains quelque part, il ne peut pas trouver facilement, mais c'est toi qui viendras dépecer. C'est toi qui viendras dépecer. Surtout quand tu lui montres. Je parle, je m'adresse aux jeunes filles particulièrement. Quand vous allez avec les hommes, vous allez chez ces hommes-là, vous allez raconter tous vos problèmes de famille, vos déboires, et vous donnez l'impression que vous n'avez personne. Vous ne comptez que sur lui. Mais il va vous tuer, il sait qu'il n'aura personne pour vous faire du mal. Il n'aura personne pour lui faire du mal, pour faire des représailles. Donc vous n'êtes pas obligé de courir. Je ne connais pas quelqu'un qui soit mort. Je ne connais pas une femme qui soit morte parce qu'elle n'était pas dans un foyer. Mais je connais beaucoup qui sont mortes parce qu'elles sont allées dans les foyers des personnes, avec des personnes qui sont des masses fois, qui étaient des masses fois. J'étais longtemps journaliste, chef du service fait divers et justice à l'Union, vous le savez. Mais je vous parle de nombre, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de crimes passionnels que moi j'ai eu à rapporter avec mes collaborateurs. C'est parce que les filles allaient se mettre avec les mauvais garçons. Les filles allaient se mettre avec les mauvais garçons. Et ça se ressent. Même quand vous vous mettez avec un homme, vous savez, il faut prenez le temps de connaître cet homme. Vous n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup parce que vous souffrez chez vous. Vous n'allez pas vous mettre dans la gueule du loup parce que vous souffrez. Capitalisez votre souffrance. C'est pas parce que vous souffrez tout de suite, vous cherchez qu'un homme vous mette chez vous. Mais il fera de vous son tam-tam. Il fera de vous son mouton de Tabaski. Il va vous égorger. Surtout quand vous dépendez totalement de lui. C'est ça les hommes d'aujourd'hui. Mais, bon sang, Dieu vous a donné l'intelligence. Il vous a donné des bras. Réfléchissez. C'est dans la souffrance qu'on médite même plus. C'est dans la souffrance. Je vous assure, au-delà des problèmes que j'ai souvent eus, qui m'ont parfois éloigné de la toile, mais quand vous me voyez parfois silencieux, j'ai fait un grand travail spirituel, un grand travail de méditation, un grand travail de discours intérieur. En disant, je suis en exil. Parce que ça n'a pas été facile. Pour moi, d'être parti du sommet pour me retrouver en exil, donc au rez-de-chaussée. Mais je n'en fais pas un drame, je capitalise cette souffrance-là. Pour que demain, les choses soient différentes. Je ne veux pas prendre des raccourcis. Si je prends des raccourcis, je prendrai toutes les propositions alléchantes que le pouvoir me fait.
Où on propose, reviens, tu vas être au gouvernement. Mais après, Ali Bongo, vraiment, il peut faire comme il a fait avec Mbamba. Moulenda vient au gouvernement, et puis après, il fait de moi ministre qui va l'accompagner partout pour non seulement montrer que c'est quelqu'un qui se porte, quelqu'un qui est un démocrate, puisqu'il cherche aujourd'hui à porter le costume des démocrates. Il peut le faire. Mais après, ça finit comment? Vous avez vu avec mon frère Mbamba? Alors que c'était parmi les cadres de relève demain. Donc, c'est comme le raccourci que ces filles-là prennent, qui consiste à courir, à l'être, machin. Et ça, je remarquais même au-delà des frontières gabonaises, où les femmes sont pressées d'aller dans les foyers avec quelqu'un, se mettre dans la maison avec un homme. Tu ne le connais même pas encore, mais on ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. On ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas tout de suite. Vous connaissez quelqu'un, après vous sortez parce qu'il vous fait bien l'amour, ou il vous donne un peu d'argent, et puis vous dites, bon, je deviens sa femme, je vais vivre chez lui. Mais non. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut à un moment donné réfléchir. Éviter de prendre des raccourcis. Les raccourcis ne sont pas les chemins les plus sûrs. C'est des chemins qui mènent parfois au tombeau. Regardez cette jeune dame qui est partie avec ses deux enfants. Je crois que c'est d'être restée chez elle. Même sortant avec ce jeune homme-là, cet homme ne serait pas allé la tuer à domicile. Parce que forcément, il devait avoir des parents qui étaient là. Donc, moi, j'ai constaté quelque chose. Je sais que ce n'est pas le discours que les gens aiment entendre, mais tant pis. Moi, j'aimerais avoir ce sentiment d'édouanement moral. C'est-à-dire qu'à mon niveau, j'ai parlé, mais je n'ai pas été compris. Il y a un gros souci aujourd'hui. Il y a un gros souci aujourd'hui. On a perdu nos repères au Gabon. Je vous assure que si demain, le Gabon change, et que Dieu me donne cette chance d'avoir le pouvoir de la décision, j'ai beaucoup influencé pour ramener le Gabon d'avant, pour retrouver le Gabon, notre Gabon ancestral. Parce que c'est ça, tout part de la base de l'éducation qu'on donne aux gens. Quand vous donnez une mauvaise éducation à votre enfant, quand vous commencez, une petite fille qui est en classe de 5e, vous lui donnez déjà le iPhone, je ne sais pas si c'est combien, ça c'est 12 ou je sais pas 11, moi je ne m'attache même pas. Vous donnez ça à votre enfant. Mais quand elle va sortir avec les mecs, c'est ce qu'elle va exiger. Ou un mec qui vient de lui brandir ça, elle va sortir facilement, même si c'est un tueur. Donc, tout part de là, de l'éducation. C'est pourquoi je vous dis une chose. Si demain, moi, j'accède au pouvoir, les choses vont être différentes qu'aujourd'hui. Parce que je sais où Ali Bongo a péché. J'avais commencé à le lire. Je lui avais dit ça à les Bamba. On avait fait le voyage, l'embarrainer, les Bamba en voiture. Après, il m'a appelé. J'étais encore journaliste à l'Union en 2011. Il m'a appelé à côté pour me dire, en fait, tu es trop sévère avec moi. Tu as des jugements trop sévères. De quoi me reproches-tu? Je lui sais que je. Même si après, Combe est venu troubler, mais moi, j'ai la patrie de dire aux gens ce qu'ils doivent entendre. Même si ça gêne, au moins, quand tu te trouves seul, tu réfléchis, tu dis, ah, Moulenda m'a dit ça. Pas dans l'intention de faire du mal, pas l'intention d'humilier, parce que la politique d'Ali Bongo consiste à humilier les autres. Moi, je ne ferai pas ça. Mais il y aura d'abord un retour aux fondamentaux pour dire à chacun que le bonheur dépend d'abord de nous-mêmes. Votre bonheur ne peut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Quand vous aurez compris que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, c'est déjà un grand pas vers l'émancipation. Or aujourd'hui, j'en apprends pas. Or la galère, c'est une grande école. La galère,
donne non seulement une prise de conscience, mais la galère vous donne la foi. Et la foi, c'est tout ce qui reste à un homme quand il a tout perdu. La foi, c'est tout ce qui reste à un homme quand il a tout perdu. On peut avoir massacré toute votre famille. Vous restez seul. Mais vous dites, Seigneur, aide-moi. Dans les moments difficiles, je vous prends l'exemple de ce que j'ai vécu à l'étape du Cameroun, où j'ai échappé à la mort face à Madungu. Moi qui ne pensais pas que j'irais au-delà du Cameroun, parce que quand les gens sont venus casser ma maison, quand ils sont venus après mon arrestation, les gens qui sont venus la nuit, qui sont infiltrés dans la maison, ils ont amené le passeport. Le passeport que je venais de refaire. Et l'autre qui était en cours de validité, qui devait expirer après un mois, je l'avais égaré chez un cousin. Vous pouvez demander ça à Firmino Bamba. Donc j'entrais sans passeport au Cameroun. Imaginez-vous. Donc j'étais en situation irrégulière quand j'entre au Cameroun. Je n'ai que ma pièce d'identité de journaliste, mon permis de conduire gabonais. Mais Madungu commet l'erreur de tenter de m'assassiner là. Ça ne marche pas. Et je suis escorté de Kiosio jusqu'à Yaoundé. Plus de 300 ou 400 km, je n'ai pas compté. Et c'était la bataille maintenant pour avoir les papiers. Et vous savez qu'il ne fait pas bon d'être gabonais parfois à l'extérieur. Mais il y a une chose. C'est que ça a renforcé ma foi. Quand Madungu n'a pas réussi à me tuer, quand il a été hypnotisé, ça a renforcé ma foi. Quand je me suis retrouvé jusqu'à Yaoundé, alors que je ne croyais pas moi arriver jusqu'à Yaoundé, ça a renforcé ma foi. Quand je suis reçu par les plus hautes autorités du Cameroun, et qui font de moi un citoyen camerounais qui me donne les papiers de résident pour obtenir tout ce qu'il faut pour voyager, alors, ça a renforcé encore ma foi. Je passais des journées à l'hôtel, dans ma chambre, sans sortir. Sachant qu'au Cameroun, c'était à côté du Gabon. J'ai dit, ils peuvent me retrouver à tout moment et m'éliminer. Et on me racontait les histoires qui se passaient de la Guinée équatoriale, où on venait prendre des opposants équato-guinéens pour aller les éliminer à Malabo. J'avais toutes ces anecdotes. Mais ça a renforcé ma foi. J'ai beaucoup prié. Jusqu'à ce qu'on m'appelle pour me dire que vous allez en France. Tout est fait. Vous imaginez. Donc la foi, c'est ce qui reste à un homme. Et je vous prouve. Le dernier, c'est quand j'arrive à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Où on m'arrête pour me dire que vous n'entrez pas sur le territoire français parce que votre passeport. Parce que votre réservation d'hôtel a été annulée. Je demande au policier qui a annulé ma réservation d'hôtel. J'ai payé par carte bancaire. Désiré Nam a vérifié aussi. Mais on dit, vous n'entrez pas. Vous repartez au Gabon. Je demande au policier, mais je repars au Gabon. Est-ce que je suis parti du Gabon? J'entre ici, regardez tous les documents. C'est au départ du Cameroun, tout est camerounais. Les documents qui m'ont permis. Mais on dit, on sait que vous êtes Gabonais, vous repartez au Gabon. Et le policier me montre un avion qui était là, l'avion de la présidence gabonaise qui était là. On dit, vous voyagez à 17h00. J'ai pensé une chose. J'ai dit, est-ce que Dieu m'a lâché? Est-ce que Dieu m'a lâché? Est-ce que les ancêtres m'ont lâché? À 13h, on m'enlève pour aller me mettre à la salle en attendant, pour aller embarquer. Je suis là, je priais. Parce que la foi, c'est tout ce qui reste à un homme quand il a tout perdu. Je savais que si je repartais au Gabon, c'était la mort qui m'attendait. Et Ali Bongo avait envoyé son avion là pour me récupérer. Demandez à Frédéric Bongo. Ils savent ce qu'il va faire. L'avion va décoller à 17h00. À 17h27, je suis là. Je suis complètement hypnotisé. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je priais. Je priais. Je dis, je n'ai pas désobéi aux lois de la nature. Je n'ai pas désobéi à ma famille.
Je n'ai pas désobéi à la société. Seigneur, sors-moi du pétrin. Quand je vois 16h33, je dis, ça y est, je repars au Gabon. J'ai écrit une lettre même à Adeline, vous allez voir, vous allez que dans le livre. J'ai écrit une lettre. Et vous allez découvrir ça dans la lettre, dans le tome 2 de mon livre. Parce que ça a été une expérience unique qu'on ne vit pas tous les jours. Pour moi, j'ai pensé que j'allais mourir. Parce qu'on me renvoyait au Gabon, c'était la fin de tout. Je sais qu'on m'attendait là-bas, puisque l'avion là n'était pas venu par hasard. Je l'ai découvert après parce qu'il y a quelqu'un qui était avec Frédéric Bongo qui m'a dit on était venu pour te chercher. Grand, tu as échappé belle. Donc 16h33, je ne suis pas fixé. Vous allez voir ce truc-là. J'étais, mais je n'ai pas perdu espoir. Je n'ai pas perdu espoir parce que je savais très bien que je n'avais pas fait du mal. À condition d'être clean. Quand tu es clean, tu n'as pas tué, tu n'as pas désobéi aux lois de nature. Donc, voilà, je retrouve la partie du livre où je parle. Pour moi, j'ai dit, c'est un cauchemar. Il était 16h33. Il ne me restait plus que 27 minutes avant d'être embarqué manu militari dans l'avion pour aller à la rencontre de la mort. Une seule question taraudait mon esprit. Dieu et mes ancêtres m'avaient-ils lâché? Soudain, des larmes perlèrent sur mes joues. Convaincu que je serais rapatrié vers le Gabon, j'écrivais un message d'adieu à Adeline. Voilà ce que j'ai dit. Mon amour, je t'écris depuis l'aéroport Charles de Gaulle, où je suis bloqué depuis le matin pour un motif fallacieux. J'ai essayé de me battre pour sortir de ce pétrin, mais je n'y suis pas parvenu. Après avoir passé la journée dans une cellule, je suis maintenant dans la salle pour personnes en attente d'expulsion. Dans une heure, je serai expulsé vers le Gabon et non vers le Cameroun, mon point de départ. De là où je me trouve, j'aperçois un avion de la présidence de la République gabonaise. C'est probablement celui qui doit me ramener au pays. Je ne veux pas donner la victoire à mes ennemis, de me torturer à mort et de brandir mon corps comme un trophée. Dès que l'avion aura décollé, je mettrai fin à mes jours et j'ai pris des dispositions dans ce sens. Si mes bourreaux ne confisquent pas mon corps, je souhaiterais être enterré chez moi à Mandji avec le drapeau national de notre pays. Ce monde n'est pas fait pour moi. Je m'en vais. Je ne te laisse rien comme héritage parce que je ne travaillais pas pour acquérir des biens périssables de ce bas monde. Je te lègue seulement mon cœur. Au moment où je m'apprête à aller retrouver mes ancêtres, je ne regrette pas la vie que j'ai menée pendant mon passage sur cette terre. J'en suis fier. La recherche de la vérité est la seule mission qui doit animer notre âme, motiver notre connaissance et nos questionnements. J'ai été écœuré par ce qui se passe dans notre pays. J'ai vu l'horreur trop de fois dans ma vie. Les crimes perpétrés pour des motifs futiles, l'avidité des hommes entre eux, les mensonges permanents, etc. Je ne peux plus venir voir ces choses. Dès que je serai jeté dans l'avion, je me suiciderai donc. Bon, on s'arrête là, c'est tellement long. Donc, vous voyez que j'avais déjà tout prévu. Et 16h40, quelqu'un a envoyé par le ministère de l'Intérieur pour venir, Monsieur Moulanda, je n'ai pas Moulanda, Moulenda, ah, excusez-moi d'écorcher votre nom. Venez avec nous. On me sort de là, demanda des Zelenam. Parce qu'il m'attendait dehors avec d'autres Gabonais, avec Maggie, sa femme. Mais je n'avais pas perdu espoir en tant que tel. Je pensais jusqu'au dernier moment qu'il y aurait un miracle pour que je sorte là parce que me renvoyer au Gabon, c'était m'envoyer. Et je l'ai dit même
Je l'ai dit plus tard, où j'ai soupçonné la France d'être de connivence. J'ai dit ceci. J'ai décidé de ne pas donner. J'ai décidé de me donner la mort parce que je n'ai plus la force de me battre dans la dernière épreuve qui m'attend là-bas au Gabon. Affronter la machine à broyer qui est déjà mise en marche pour me détruire pour toujours. En m'expulsant vers le Gabon, la France aura répondu au désir de revanche de mes bourreaux. La postérité appréciera. Je l'avais pris, mais j'avais au fond de moi cet espoir. J'avais l'espoir qu'il y aura un miracle. Et le miracle s'est produit à 40, 16h40. Il restait 5 minutes pour aller embarquer. Il restait 5 minutes. Donc, parce que je me suis transcendé, j'ai capitalisé cette souffrance au départ du Gabon en disant, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est un crime de me battre pour mon peuple? Est-ce que c'est un crime de dénoncer les crimes rituels? Comment Dieu peut-il laisser ça? Je me posais des questions. Donc, quand on est dans la souffrance, quand on est dans la galère, c'est là où on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup. On ne prend pas les raccourcis. On ne prend pas les raccourcis parce que quand on prend les raccourcis, ça ne mène pas forcément au point sûr. Le raccourci n'est pas le chemin le plus sûr. Ne prenez jamais les raccourcis comme ça se passe aujourd'hui. Capitalisez votre souffrance. Dites pas que vous êtes né pour souffrir, pour accompagner les bongos, pour être là. Et c'est ça qui me choque. Parce que le Gabonais ne fait plus d'efforts. Le Gabonais entre dans la facilité. Mais comment on peut accepter ce qui se passe? Regardez les Sénégalais. Regardez comment les Sénégalais ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Les Sénégalais, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils descendent dans la rue. Mais nous, on accepte tout. On ne peut pas déblayer, on ne peut rien faire, on ne peut pas déblayer. On dit non, je protège mon bout de pain. Mais le bout de pain, c'est où? Mais vous n'allez même plus avoir le bout de pain. Parce qu'il n'y aura plus de farine, il n'y aura plus de levure, il n'y aura plus rien, pas de sucre. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir, il faut transformer la souffrance en escalier pour parvenir au sommet de vos espérances. Vous n'allez pas se demander où on souffre. Je vois des gens qui m'écrivent, on souffre. Je vois, il y a même des étudiants qui m'ont écrit je crois, de la Tunisie. Mais je suis impuissant, moi, je n'ai pas d'argent à pouvoir pour aider ses compatriotes. Quand j'en avais, j'aidais certains. Mais je n'en ai plus. Vous savez qu'après 7 ans d'exil, on est ruiné complètement. Même si on avait des économies, après 7 ans, on ne peut plus rien avoir. Donc, il faut capitaliser notre souffrance en se disant, je ne suis pas venu pour souffrir. Pourquoi moi je dois souffrir? Je vous assure que j'apprends beaucoup, même les civilisations mayas, au-delà de ce que j'ai appris en terre ancestrale. Mais j'apprends beaucoup, je vois chez les autres, je prends ce qui est positif chez les autres. Et c'est ce que nous, on devait faire au Gabon. Or, nous, on se dit qu'on est meilleur, mais on n'est rien. On n'est en réalité rien. On croit qu'on est quelque chose par rapport aux autres peuples. On n'est rien. On n'est rien. Donc, penser que se draper d'un orgueil, disant qu'on est mieux, les Gabonais. Non, regardez comment on est devenu là aujourd'hui dans la galère. Les gens sont obligés de prendre les raccourcis. Les filles sont obligées d'aller vite en mariage. Les filles sont obligées de connaître la sexualité. Il y a des filles qui commencent maintenant aujourd'hui la carrière sexuelle à l'âge de 13 ans, 14 ans. C'est pas normal ça. Ce sont des corps encore en croissance. Quand elles prennent des grossesses, ça donne quoi? Donc il faut capitaliser la souffrance. Et pour moi, la souffrance là est nécessaire. Parce que doit nous permettre de prendre conscience. Pour dire que nous sommes là, le pays est détruit par Ali Bongo. Ali Bongo a montré ses limites. Il ne peut pas, non seulement sa santé a pris un coup après l'accident vasculaire dont il a été victime. Et on se dit, en temps normal, il n'a pas pu développer le Gabon. C'est pas là où il est malade qu'il va développer le Gabon. Il faut s'en débarrasser de la manière la plus humaine qui soit. Voilà ma conception. Je ne dis pas que prendre le fusil tuer Ali Bongo, non. Je ne vous demanderai jamais ça. Mais il faut le décharger de la fonction là. Mais ça, c'est nous-mêmes. Je vous assure que si c'était au Sénégal, Ali Bongo ne serait plus là. Si nous étions Sénégalais,
avec la détermination que je reconnais à ce peuple, Ali Bongo ne serait pas là. Lorsque le président Abdoulaye Wade a voulu mettre son fils Karim, vous savez comment les Sénégalais ont agi. Mais nous, on accepte tout, on n'arrive pas à capitaliser la souffrance. On continue à faire la fête même quand même tout va mal. Mais on ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. Il y a des priorités, vous aussi. Il y a des priorités. Mais les gens continuent à faire la fête, à se comporter comme si. Mais c'est quel peuple ça? On n'a plus une âme. Parce qu'on n'arrive même pas à réfléchir à dire maintenant. Et comment les autres. Attends, posez-vous des questions. Comment les autres font pour s'enrichir au Gabon? Les Béninois, les Sénégalais, les Maliens, les Mauritaniens, les Camerounais, les Nigérians, les Ghanéens et toutes les autres communautés là. Comment, mais elles ont trouvé une femme. Et surtout que le Gabonais, c'est un paresseux. Donc ils ont compris que finalement, ils peuvent se faire des sous facilement au Gabon. Mais nous, on est incapables. Les rares personnes qui osent, on les combat. Si une Gabonaise ouvre un restaurant, au lieu d'aller acheter là-bas, quelqu'un peut faire aller acheter chez une Béninoise. Et il achète la Gabonaise là, rien pour prendre la nourriture en bon. Moi, je viens te payer à la fin du mois. Moi, je vais te faire ceci. Jusqu'à ce qu'elle va tomber en faillite. Voilà notre esprit. Voilà notre esprit. On est dans la haine. On se combat. C'est pourquoi ces étrangers foutent du bordel. Parce qu'ils ont compris que les Gabonais sont comme ça. Que c'est des lâches, des matamores. Ils ne peuvent jamais s'entendre pour mettre un terme au désordre qu'on fait. Donc, continuons de faire le désordre. C'est comme ça qu'Ali Bongo fait avec ses amis. Ils ont compris, ils ont trouvé une terre facile. Oui, le surnage dans toutes les pratiques aux antipodes de nos mœurs, sans en être inquiété. C'est ça le problème. On est incapable de capitaliser nos souffrances. Écoutez, là ça suffit, entendons-nous, on ne peut plus souffrir comme ça. Regardez la dame là qui a été expulsée. La dame qui a été expulsée de la maison par le Libanais. Il y a même une Gabonaise qui va passer en procès la semaine prochaine avec les Libanais qui l'ont licenciée. Je vais traiter de son dossier. Donc, vous voyez, ces Libanais foutent du bordel parce qu'ils ont compris que les Gabonais n'arrivent pas à capitaliser leur souffrance. Ils ne peuvent pas s'entendre. Alors qu'en principe, ça ne doit pas arriver. Il y a un ami qui est magistrat qui m'a envoyé. Je vous avais parlé de cette loi-là. De cette loi qui dit ceci, voilà. Faut que je revienne. Je voulais me faire une émission spéciale là-dessus. Parce que c'est tellement important. Voilà. Voilà un décret. C'est le décret. Ce qui est arrivé là, ça signifie que le Mauritanien là, il n'a pas raison. Décret numéro 77, barre PR MF du 6 février 1967, réglementant l'octroi des concessions et location des terres domaniales. Le président de la République, chef du gouvernement. Là, c'est à l'époque de, je crois, Omar Bongo. Oui, c'est Omar Bongo qui était déjà là. Il s'appelle encore Albert Bernard Bongo. Donc, voilà ce que dit article 1er. Les terres faisant partie du domaine privé de l'État en vertu des dispositions de l'article 2 du Code du domaine de l'État et qui ne sont pas affectées à un service public peuvent être concédées ou louées selon les règles décrites. Bon, ça ne nous intéresse pas. Mais on va aller là où il y a le litige. Hein? On va aller là où il y a le litige. Donc, l'article qui prévoit. Ça dit ceci. Excusez-moi. C'est important parce que je vous avais dit que dans cette histoire-là, on dit les terrains désignés à l'article 7 alinéa 1 seront toujours concédés par voie de cession amiable. Cependant, dans le cas où il y aurait des demandes simultanées pour un même lot, émanant d'Africains originaires et non originaires du Gabon, un droit de préférence jouera en faveur des Gabonais d'origine. C'est un décret qui date de 1967.
C'est pourquoi Omar Bongo, il avait débouté, il avait réglé ce problème-là en faveur des Gabonais, parce qu'il y a un décret qui est là qui existe. Je vous avais parlé de ça, moi quand je vous parle, souvent c'est avec preuve. Je vais publier ce décret. Mais vous avez vu un peu le bordel qu'Ali Bongo et ses amis font? Où les Gabonais sont dépossédés, mais c'est parce que nous, on n'arrive pas à capitaliser notre souffrance. Si on dit, moi j'ai souffert, l'autre a souffert, non, les gars, mettons-nous ensemble, on met un terme à ça. C'est ce que les Sénégalais font. Mais nous, on est incapables de le faire. On est dans la diversion, toujours parler de l'histoire des sexes, c'est ce qui intéresse les Gabonais. Regardez, là, il y a combien il n'y a même pas 200 personnes. Ils étaient 200, ils sont. Parce qu'on ne parle pas de sexe. Si je parlais de tel monte sur telle femme, tel ministre sort avec, là, les gens c'est rien. Pendant ce temps, le pays coule. Le pays coule. Qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse avec un? Mais moi, ce que je vous dis seulement, il y a quelques Gabonais qui ont encore gardé les valeurs. C'est bien, gardez vos valeurs. Ne changez pas parce que les autres sont comme ça. Même si vous souffrez, les autres prennent les raccourcis. Ne prenez pas les raccourcis parce que les autres le font. Ne le faites pas. Je vous avais souvent parlé de ces proverbes qui est chez nous. Que la fougère s'était cassée le cou en voulant imiter le palmier qui portait le régime des palmes. La fougère s'était cassée le cou en voulant imiter le palmier qui portait le régime des palmes. Donc n'imitez pas les autres parce que les autres font ça. Les autres font du sale parce que l'autre a pu avoir une voiture ou un terrain, une maison en faisant du mal, en faisant des crimes que vous allez faire ça. Non, capitalisez juste votre souffrance et vous allez réussir. Moi, je vois des gens qui se moquent de moi, les PDGistes là. Je rigole. Il y a des gens parce que je suis en exil. Oh oui, je vois des gens qui me disent, oh, chômeur de luxe, machin, tu ne travailles pas, galérien. J'ai tout entendu. Hein. Est-ce que demain, ils diront encore la même chose? Je me pose la question seulement, est-ce que demain, ils diront la même chose? Ils ne pourront pas dire ça parce que les choses vont changer. Parce que je travaille intérieurement pour que demain soit différent qu'aujourd'hui. Je vois ça, je suis humilié. Insulter des gens qui n'arrivent, qui n'ont pas mon profil, qui m'insultent, qui viennent sur Facebook, qui disent vraiment, mais je regarde ça. Il y a même une amie étrangère qui m'a dit, comment tu fais pour supporter tout ça? Je lui ai répondu par un proverbe. Je dis, si tu as peur des piqûres des abeilles, tu ne mangeras jamais de miel. Et celui qui a peur des piqûres des abeilles ne mangera jamais du miel. Elle a rigolé, j'ai dit, non, je suis sérieux. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Oui, le décret, je vais vous le. Je vois quelqu'un qui demande que. Ah, donc, si Fernando, le décret est simple. Je vais vous relire ça. Voilà. Le décret dit ici. Alors, c'est un petit téléphone, hein. Vous savez que j'ai quand même. On dit, les terrains désignés à l'article 7, alinéa 1, seront toujours concédés par voie de cession amiable. Cependant, dans le cas où il y aurait des demandes simultanées pour un même lot émanant d'Africains originaires et non originaires du Gabon, un droit de préférence jouera en faveur des Gabonais d'origine. Ce droit peut être renouvelé, mais seulement lorsque celui qui en bénéficie, a rempli toutes les obligations résultant de la concession précédente. En cas de demande concurrente émanant des Gabonais d'origine, la concession est faite par voie d'adjudication restreinte. Les terrains de quatrième classe seront octroyés selon la procédure des permis d'octroyer. L'adjudication ou la cession amiable est exécutée par les soins d'une commission composée comme suit. Bon, c'est là. Donc, dans ce conflit-là, quand il y a un conflit foncier avec les étrangers par rapport à un lot qui a été attribué à plusieurs personnes, la raison est donnée aux Gabonais. Parce que ce sont les terres du Gabon. Voilà, c'est pour les Gabonais d'abord. Ce n'est pas la xénophobie. C'est pas moi, c'est Omar Bongo qui avait. Il n'était pas fou quand il a fait ça. Il était encadré de bons conseillers. Donc, je vous disais pour conclure, parce que
un après-midi chargé sur le plan littéraire. Je voudrais que vous capitalisiez un peu ça. Arrêtez la facilité. Arrêtez de penser que votre bonheur dépend de quelqu'un. Le bonheur, c'est d'abord un état d'esprit. C'est vous-même dans votre fort intérieur. Je dois me sentir bien. Si pour vous sentir bien, vous avez besoin de manipuler votre téléphone, manipulez votre téléphone. Si pour vous sentir bien, vous regardez un documentaire sur les parcs nationaux, sur la faune et la flore. Mais c'est vous-même. Mais pourquoi soit quelqu'un d'autre qui vous apporte votre bonheur? Ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire votre bonheur. Je suis désolé. Or, et c'est ça l'erreur qu'on commet en pensant que ce sont d'autres personnes qui font notre bonheur. Donc, c'est en disant, je suis une femme, il n'y a qu'un homme qui va amener mon bonheur. Donc, il faut que j'aille tout de suite m'installer chez lui. Même si c'est un assassin. C'est là où on pêche. C'est là où on pêche. Parce qu'on pense que non, mon bonheur dépend de l'autre. Pour que je sois, il faut que j'aie un homme. Mais je suis seul dans ma vie. Mais attends, tu trouveras l'homme qui était faux. Mais si tu fais dans la précipitation, tu vas tomber sur un monstre qui va te tuer. Et c'est bien dommage parce qu'on laisse des familles éplorées. Donc, Gabonais, il est grand temps de comprendre ça. Arrêtez la distraction. Le pouvoir va créer beaucoup de points de distraction, beaucoup de distracteurs sur la toile. Et comme ça, ceux qui disent la vérité, on va chercher à les diaboliser comme ça a toujours été le cas. Mais moi, je m'en fous de toute façon. Je vous dirai toujours ce que vous devez entendre. Il y a un problème au Gabon. Et ceux qui se moquent de moi et des autres qui sont en exil, mais tant pis, vous savez pas ce que les gens sont en train de capitaliser. Je vous dis souvent que si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira qu'un poisson à la bouche. Donc vous pensez que parce que les gens sont... Mais non, au contraire. Les gens capitalisent leur exil. Que ce soit Alfred Gabanda, que ce soit Alfred Madika, que ce soit les autres exilés. Mais ils ont eu la chance d'être sortis de ces pays. Mais le problème, c'est vous, là-bas. Les gens, parce qu'ils sont obligés, ils insultent. Mais attention, les occasions d'aujourd'hui peuvent être rares demain. Les avantages d'aujourd'hui peuvent se transformer en handicap demain. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Moi, je suis obligé de jouer ce rôle de sensibilisation à chaque fois, se faire ce rôle de ça. Parce que les Gabonais, on a un vrai souci. On a un gros problème aujourd'hui. On se moque des gens. Moi, j'ai vu même des gens qui sont venus insulter ma mère. Souvenez-vous, cette compatriote du PDG-là qui, chaque fois, insultait ma mère, faisait des dessins, insultait ma mère, que c'est une pauvre femme, machin. J'ai gardé tout ça. J'ai gardé. Vous savez, on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais ils sont en train de diaboliser cette femme-là, l'insulter, mettre sur Facebook, la pauvre femme qui n'est même pas sur Facebook. Vous voyez vous-même que j'ai beaucoup de mes neveux. Je suis une très grande famille. Ceux qui connaissent ma famille à manger. J'ai une très grande famille. Que ce soit mon grand frère Christian Moukendou-Moulinda, moi, nous avons beaucoup d'enfants. Chez moi, on ne fait pas la différence entre l'enfant de mon frère et de moi, c'est mon enfant. Donc nous avons beaucoup d'enfants. Mais vous ne verrez jamais mes enfants là venir sur la toile et venir répondre, insulter. Même quand on insulte leur grand-mère. Ils sont là, ils disent, c'est moi, c'est des pauvres types. C'est des esprits chétifs. Ils pensent que elle est condamnée à mourir dans la galère parce que son fils est parti en exil. Et que bon, mais non, et chez nous, on a une autre conception du bonheur et du bien-être. En pays d'ici, on a une autre conception du bonheur et du bien-être. On ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas comme ça. Donc, ceux qui disent que bon, tu insultes ma mère là, j'ai vu votre Oxymavioga ou quelque chose comme ça qui venait souvent, machin. Mais je rigole. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Vous ne savez pas que le monde est fait de beaucoup de surprises. Le monde est fait de beaucoup de surprises quand on insulte une pauvre femme qui n'a rien fait. Parce qu'elle n'a pas les mêmes moyens que vous. Parce que vous avez volé l'argent du contribuable. Et vous insultez, vous pensez qu'elle n'a rien parce qu'elle n'a pas le même, parce qu'elle vit dans une maison en planche. Mais continuez. Vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Oh, me do more. Oh, me do more. Oh, me do more.
disait que vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Ne vous moquez même pas des autres. Ne soyez jamais complexés, parce que ce sont les gens qui sont complexés par leur rang inespéré, qui font ça. Mais qui ne savent pas de quoi sera fait demain. J'ai parlé de ces gens-là qui passent leur temps, par exemple, pour triturer ma mère sur la toile, pensant que la situation qui est la situation actuelle restera ad vitam aeternam. Mais ils ne savent pas que les choses peuvent changer à tout moment. Je me souviens d'une histoire que m'avait racontée mon grand-père au village, au clair de lune. Dans un village, il y avait un homme et sa femme. Et ce couple-là souffrait parce qu'il était esclave d'un roi, un roi méchant, un roi qui ne laissait jamais son personnel se reposer. Il devait travailler du lever au coucher du soleil et ne mangeait pas à sa faim. Et chaque jour, ce couple-là demandait: Seigneur, à quand on va changer? À quel moment on va apercevoir le bout du tunnel? Jusqu'à quand va-t-on souffrir? Et voilà qu'à force de travailler beaucoup, le mari de la dame, esclave, est tombé malade. Et lorsqu'il a dit au roi que je suis malade, patron, je ne peux pas travailler, il a dit non, travaille, c'est faux, tu es en train de mentir, tu es un paresseux. Et c'est comme ça que le monsieur est tombé, il est mort. Entre temps, sa femme est restée enceinte. La femme est restée esclave là, on l'a enterré, le mari à la va-vite. Mais la femme est restée esclave là et elle a continué à travailler. Et quand elle a senti qu'elle était presque prête à accoucher, c'est comme ça que la femme a décidé de fuir une nuit. Une nuit, elle s'est échappée de chez le roi. Elle a dit, moi je ne peux plus continuer. Je suis presque à terme, on continue à me faire travailler comme ça. Non, cette situation ne peut plus continuer comme ça. Il faut que je m'en aille. Et c'est comme ça qu'elle a fui notamment. Elle a marché, mais sauf que elle était déjà à terme. C'est comme ça qu'elle a commencé à avoir des contractions. Elle s'est arrêtée au bord d'une rivière pour boire un peu d'eau. Mais le travail s'est accéléré. Et c'est comme ça qu'elle a accouché là seule. Dans sa fuite, elle avait pris un morceau de canne à sucre pour sucer en chemin. Avec les dents, elle a décortiqué ça. Et elle a pris donc la lame de canne à sucre là, puisque c'est tranchant. Elle a coupé le cordon ombilical. Il se faisait tard, elle a dit, je ne peux plus continuer, je suis fatigué. Il faut que je reprenne mes forces. Je l'ai remis et elle a mis l'enfant à côté. Et elle est restée là à dormir. Mais sans le savoir, il y avait une dame, une mystérieuse dame qui habitait non loin de là. Et qui est venue voler l'enfant la nuit. Elle est venue voler l'enfant la nuit. Et lorsque la parturiente s'est réveillée le matin, elle s'est rendue compte que l'enfant n'était plus là. Elle dit, comment, j'ai accouché, mon enfant n'est plus là. Qui a pris mon enfant? Elle a arpenté tous les alentours. Elle n'a pas retrouvé l'enfant. Déçue, découragée, elle a repris son chemin. Remettant tout à Dieu, elle a dit, Dieu va régler ça. Et quand elle est partie, elle est allée chez un autre roi demander du travail. Elle est devenue esclave encore là-bas. Elle est devenue esclave. Entre-temps, son enfant était élevé par la dame qui était venue voler, mais qui avait une bonne situation. Elle n'avait qu'un enfant, elle voulait avoir beaucoup d'enfants, donc elle est venue voler l'enfant de la dame là. L'enfant avait grandi, plusieurs années étaient passées. Et elle était toujours esclave là-bas, elle souffrait. On se moquait d'elle. Et voilà qu'un jour, son enfant ayant grandi, a dit à l'enfant de la dame qu'il avait ravi à sa mère,
Je dis, j'ai envie d'aller voir ma mère, elle me manque. Je n'ai jamais vu ma mère, j'ai envie d'aller la voir. Et c'est comme ça que son congénère, donc l'enfant de la dame, elle, tu sais, ma mère t'aime beaucoup. Même si tu n'es pas son enfant. Elle t'aime au même titre que moi, son fils biologique. Si tu veux partir, là, si tu veux qu'elle te laisse partir, tu restes dans ce coin-là triste, malheureux, tu prends une mine de tristesse et tu diras, quand elle va te demander, tu dis, je suis malade parce que je n'ai pas vu ma mère, je suis mal à l'aise. Elle te laissera partir. Et c'est comme ça que le jeune homme a donc décidé de mettre en pratique le conseil de son congénère. Et quand l'heure de retour de la dame qui était sortie a sonné, il s'est blotti dans un petit coin, il était là malheureux, les mains comme ça, là, entre les mains. C'est comme ça que la mère dit, mais c'est quoi, tu as quel problème? Il dit, je suis malade. Tu es malade, malade de quoi? Oh, malade de l'absence de ma mère. Parce que je n'ai pas vu ma mère. Je ne la connais pas. Il faut que je la voie au moins une fois dans la vie. Et cette dame-là, ayant un instinct maternel, elle a dit, bon, d'accord, demain tu vas aller voir ta mère. Mais seulement toi, tu ne connais pas ta mère. Tu ne connais pas ta mère. Comment tu vas la retrouver? Elle a dit, non, je passerai de village en village. La dame a dit, tu sais, je te donne tout ce qu'il faut pour aller rendre heureuse ta mère. Voilà les troupeaux de bœufs, voilà les troupeaux de moutons, les troupeaux de chèvres. Voilà cette mallette d'argent, tu vas donner à ta mère. C'est tellement qu'elle est malheureuse quelque part. Mais attention, parce que toutes les femmes que tu rencontreras, vu tes richesses que tu amènes, elles vont se dire qu'elles sont ta mère. Chacune d'elles va se dire qu'elle est ta mère. Mais comment tu feras pour savoir que c'est ta mère? Il y aura un test, parce que toi, quand tu es né, ta mère, moi j'étais en train de voir comment elle faisait, j'étais caché là. Ta mère a coupé ton cordon ombilical avec la lame de résidu de la canne à sucre. Et elle t'a mis un bracelet là, à la main, dès que tu es né. Donc, ne peut savoir ça que la personne qui était là. Il n'y a que moi qui étais tapis là, qui voyais comment ta mère accouchait. Et il n'y a que ta mère qui connaît ça. Les autres femmes ne sauront pas ça. Et si elles ne savent pas ça, tu vas demander quand elle va, quand chacune d'elles va dire que elle est ta mère, tu vas poser la question, ok, tu m'as accouché où? Si elle te dit que elle t'a accouché au bord de la rivière, c'est ta mère. Qu'elle t'a coupé ton cordon ombilical à partir de la canne à sucre, c'est que c'est ta mère. Si elle te dit qu'elle t'a mis le bracelet, c'est ta mère. Donc, bonne route. Et c'est comme ça que le jeune homme est parti avec toutes les richesses. Elle s'est arrêtée au premier village. Et sachez, le jeune homme-là s'appelait Mumbina. Il s'appelait Mumbina. Donc Mumbina est devenu garçon. Il est parti à la recherche de sa mère. Alors, quand il arrive au premier village, il dit non, je cherche ma mère. Je cherche ma mère parce que je ne l'ai jamais vue. Et toutes les femmes, là, quand elles ont vu le fils avec beaucoup d'artifices, elles disent non, c'est moi ta mère, c'est moi ta mère. Il dit, toi tu es ma mère, oui. Comment ça? Il dit, oui, c'est moi ta mère. Tu m'as accouché où? Oh non, c'est dans ma maison. Ah, c'est faux, tu n'es pas ma mère. La suivante, toi, tu dis que tu es ma mère, oui, tu m'as accouché où? Oh, c'était derrière la maison. Non, tu n'es pas ma mère. Un village, deux villages, troisième. Maintenant, dernier village, quand Mumbina arrive là-bas, quand Mumbina arrive, il voit toutes les femmes qui accourent vers lui pour dire, oui, mais quel est ce beau garçon-là? C'est qui l'enfant là, machin? Mais entre mon enfant. Tu es mon enfant. Mumbina a posé la question à toutes les femmes. Il vous dit que vous êtes ma mère. Toi, tu es ma mère. Tu m'as accouché où? Oh, mais c'était au salon. Toi, à la plantation. Non, tu n'es pas ma mère.
Toutes les femmes du village n'avaient pas donné la bonne réponse. Et le gars savait que ce n'était pas la mère. Et c'est comme ça que quelqu'un qui était là, il a dit, mais demandez un peu à la dame esclave qui est là-bas, qui travaille sans arrêt là, qui souffre là. Demandez-lui qu'elle vienne, peut-être identifier, peut-être c'est son fils. Les gens ont dit, non, ça ne peut pas être son fils, c'est pas possible. Ça ne peut pas être son fils, c'est pas possible. Une vilaine femme qui est là de commissaire, regardez qu'elle a menti, faire un beau garçon comme ça. Elle dit, faites-la venir. Faites-la venir. Et c'est comme ça que quand la dame arrive, elle regarde comme ça, elle a vu les traits, elle savait. Elle dit, mon fils. Le fils a dit, c'est toi ma mère. Elle dit, oui. Le fils a dit, mais tu m'as accouché où? Elle dit, j'étais accouché au bord d'une rivière sur la route, à côté d'un village. D'accord. Mais comment tu as coupé le cordon ombilical? Il dit, j'avais une lame de canne à sucre, c'est ce que j'ai utilisé pour couper le cordon ombilical. Il dit, et qu'est-ce que tu as fait après? Il dit, je t'ai fait porter le bracelet que ton père m'avait laissé. Parce qu'il savait que tu étais enceinte, que j'étais enceinte, et que j'allais faire un garçon. Et donc, je t'ai fait porter le bracelet. Et c'est comme ça que le petit garçon a dit, oui, c'est toi ma mère. Tu fais quoi ici? Il dit, je suis esclave, je souffre ici. Je travaille matin, midi et soir, sans repos. La preuve, c'est que tu as trouvé toutes les femmes dehors. Mais moi, je suis là-bas en train de souffrir. Et c'est comme ça que... Il a dit, bon, maman, va prendre tes affaires. C'est fini. C'est terminé. Tu ne restes plus ici. On va aller. Je vais te construire un village là-bas. Tout ça, c'est pour toi. Voilà le sac d'argent là. C'est terminé la galère. Et c'est comme ça que la maman est partie. C'était fini la galère. Fini les moqueries. Elle était devenue en haut, comme on dit. Ceux qui se moquaient d'elle ont fermé leur clapet. Parce que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Et c'est comme ça que ceux qui se moquaient donc d'elle ont fermé leur mandibule. Parce qu'ils avaient découvert que aucune situation n'est éternelle. Il suffit de capitaliser sa souffrance. Cette dame a capitalisé sa souffrance. Elle restait là, elle priait au fond d'elle. C'est ça, mais je ne suis pas né pour souffrir, pour galérer. Pourquoi? J'étais chez le premier roi, il m'a employé comme esclave. Je viens ici comme esclave. Je ne mange pas ma faim. Pourquoi? Mais Dieu avait vu la souffrance de cette dame. Au point de toucher son cœur, là où elle était, là où il était. Le fils, là où était le fils. Le fils est venu changer donc le statut de cette mère, cette pauvre mère dont on se moquait, comment on se moque de la mienne. Mais quand sera-t-il demain? L'avenir nous le dira. Merci de m'avoir reçu chez vous et surtout capitaliser votre souffrance qui n'est pas une fatalité. Bonsoir. Thank you.
Thank you.
Oh.